Morning, everybody, afternoon, depending of where you are sitting today. My name is Eric Hazard. I'm campaign and advocacy director for Save the Children in Africa. I'm based in Dakar in Senegal. I'm going to facilitate this virtual event today on how to respond to the education crisis in the Central Sahel region. So it's a very important event for us, which is co-organized by the Minister of Education of Burkina Faso, the government of Spain also, who are joining us. Education Cannot Wait, the Global Coalition to Protect Education from Attack, and Save the Children. We're going to go live in a few minutes. We are still waiting the arrival of one panelist just to allow us to go live. So if you don't mind, we will invite you to wait for a few more seconds, and we hope that we'll be able to start very soon. In between, let me just maybe give you some tip about how we're going to organize this event. So some useful information, let's call it like that. So the event is a bilingual event in French and in English. So you can choose your channel. So if you go on the bottom of your screen, there is normally one button which is about interpretation or translation. And if you are fully bilingual, you don't touch to anything. If you prefer to speak and listen in English, please click on the English button. And if you prefer to listen and speak into French, please click on the French button. We're going to have six panelists for this event, including two youths from the region, from the Mali, but also from Niger. So we're going to give the opportunity to each of these panelists to come and to present the analysis of the situation, but also to make a couple of recommendations. And after this period, we're going to have a time for question and answer. So as you can see, there is also a button, which is question and answer button. Please use this button to make sure that during the whole conference, if you have any question, you can ask the question, and we're going to use this question later on into our discussion. Last but not least, this meeting is a side event, but it's a side event to the ministerial meeting on Central Sahel, which will happen on October 20. So the idea of the meeting is really also to try to make a couple of recommendations that we can hand over to the minister. So we're going to, of course, invite our guest panelists to make some more recommendation. But if you have any type of recommendations that you would like to suggest, please do not hesitate, because really for us the most important is that at the end of the event we have a couple of recommendations for this very important ministerial meeting happening on October 20 next week. So I hope things are clear for everybody, and everything is everybody is well set up. So let me just confirm with our colleague in Burkina Faso that they can hear us, and they have been able to join. So I see that we are still waiting for one final person to join. If you can give us another few seconds, and then we're going to start. In between, it's going to be the opportunity for each of you also to make sure that you can be well set up, and particularly ensure that you are on the right channel. So English for the English speaker, French for the other one, and just keep it off if you are fully bilingual and fully comfortable, right? So give me a couple of seconds and I come back to you. So, if you don't mind, we will start.
We are waiting the Minister of Education, Ministry of National Education, Literacy and Promotion of National Languages of Burkina Faso, His Excellency Stanislas Soirot, who will join us in a few minutes. As you understood, and as I've already mentioned, this event has been an event which has been co-organized with a couple of organizations, but also some government. We have two governments who have been really supportive from the beginning to co-organize this event. The government of Burkina Faso, but also the government of Spain. So I would like to give them the opportunity to give some opening remark and to make sure that we can have some welcome remark and introduction. So I would like just to confirm with our colleague in Burkina Faso that the minister has been able to join. I see that they were making a final test. Monsieur le ministre du Burkina, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous avez rejoint? Non. Eric, malheureusement pas encore. Très bien. Donc on proposait qu'il nous rejoigne tout à l'heure, donc de l'introduction soit annulée pour qu'on puisse pouvoir passer et commencer l'événement. Très bien. Donc ce que je vais faire, so what I'm going to do is that I'm going to invite Mr. Julio Herraiz, Spain ambassador at large for Sahel, who is representing the government of Spain and who is one of the two co-hosts, to maybe start by opening this this meeting and making some welcome remark and introduction. Mr. Ambassador, over to you, please. Thank you very much, dear colleagues and friends. I wish to thank the Minister of Burkina Faso for his efforts to protect education, and I wish to congratulate civil society, the Global Coalition for the Protection of Education from Attack, Education Cannot Wait and Save the Children, for the organization of this meeting that we are honored to co-sponsor, as well as for the projects and actions in the Sahel. We are convinced that collaboration among governments, civil society, and local communities is the best formula to protect and defend the continuation of education in situations of vulnerability. Safe education is one of the building blocks of tomorrow, of future generations. Education is essential to achieve social cohesion, peace and stability in any society. And it is above all a right. All boys and girls have the right to education. COVID-19 has affected the continued education of millions of children around the world, becoming an aggravating factor because they previously faced violence and attacks on schools and universities. The Sahel region, its children, its young people unjustly live this reality. And Spain wishes to contribute to making visible and defending this right to education, respect for international humanitarian law, and commitment to the objectives of sustainable development. Education is one of the main elements of resilience in societies and sustaining peace, promotes gender equality, empowers girls and women, prevents sexual and gender violence, and helps to improve in sanitation and nutrition conditions. Spain, as you know, organized the third conference on safe schools in Palma de Mallorca in 2019. We ask those states that have not done so to sign the safe schools statement and guidelines as soon as possible. And those of us who have signed the declaration must now implement it. As this declaration moves forward, moves towards universality, we are aware of the fact that it needs to be accompanied by solid data collection mechanisms with gender and age markers and accountability systems
that allow the perpetrators of serious violations to be brought to justice and the protection of victims. We wish Nigeria the best of luck in organizing the fourth Safe Schools Conference. And finally, allow me to recall the importance of the Sahel Alliance as a platform for coordination of development and humanitarian initiatives in the region. As you know, the Spanish Foreign Minister, Arantxa González Laya, is currently presiding over its General Assembly, and we are ready to incorporating new partners and stepping up our efforts for the benefit and the prosperity of the Sahel. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Ambassador. Thanks for this kind word. Mr. Koller, I see that you are in also. Yes, thanks to unmute. Thanks a lot. Yes, so thanks a lot, dear ambassador, for this very important remark. I think we all understood the important role that the government of Spain has been playing and continue to play on the Safe School Declaration and all the agenda to make sure that education won't be a victim of a further attack. As you know, when we are looking about Central Sahel, Central Sahel is facing a very severe, complex, and also multiform crisis. Their attendees, their audience, you all know that when you are speaking about the crisis in the Sahel, unfortunately, this crisis is also seriously affected the education sector in Mali, in Burkina Faso, but also in Niger, three of the countries which represent the central Sahel. Education is facing an unprecedented crisis today in a region when 50% of the inhabitants have less than 15 years old. So with one inhabitant out of two having less than 15 years old, you can understand how an education crisis requires a very urgent, massive, an important response to try to respond to the current challenge this region is facing and to ensure that we won't undermine the future, not only of the children in this country, but also of the country themselves. A couple of threats are happening vis-à-vis the education sector in Western Central Africa and particularly in the central Sahel. One of the threats, of course, is linked to this armed conflict with over 430 attacks against education, which have been officially recorded between 2015 and 2019. One of the consequences is over 4,000 schools are now closed and thousands of people have been forced to be displaced and moving from location to another. One of the second threats that education is facing is also the impact of climate change. We have all been observing the recent flood and how this flood has been affecting the schools once again. So schools have been affected in many ways. They have been either flooded, they have been closed, sometimes they have been destroyed, and even sometimes they have just been occupied by displaced people who have been forced to leave their house. More recently, of course, COVID-19, as mentioned by the ambassador, has also playing a very critical role and had a massive impact on the access to education, which is a big threat for children across these three countries. The school closure from beginning of March and April until recently in many of the country to try to avoid a large dissemination of COVID-19 had a major and significant impact. Over 13 million children were out of schools this last couple of months. This is the worst crisis ever seen in the educative sector in these three countries. Of course, we know that before this COVID-19, there was already a couple of threats which was existing,
and there was a couple, there is already a lot of fragility in this sector. So what we try to discuss today is really first to try to understand what are the threats which the education sector is facing in Central Sahel today. How do we respond to these different threats in a region which is already very vulnerable and already quite fragile? Don't forget that before COVID-19, there was already 8 million children which were out of schools before the beginning of the COVID-19 pandemic. To be so important for us today about to hear about the voice of the children, and that's why we are so happy to have two youths from Niger and from Mali joining us today, to try to understand what are the expectation, what are the hope in such context, but also to try to share some of the good practices, some of the positive example we can build on for the future to make sure that we'll be able to have a good agenda for the future. Finally, every panelist will also share with us some key recommendation to make sure that, as I was saying earlier, we're going to be able to use this recommendation to bring them to the table of the minister during the Sahel Central Ministerial Conference happening next week on October 20. So on that note, and with this small word of introduction, I would like now to invite one of our youth speaker. We will have in few minutes the Minister of Education, National Literacy and Promotion of National Languages of Burkina Faso will join us. But in between, I would like to ask one of our youth representative, Odette Keita, to try to take the floor and to share with us her recommendation, her vision of what is the situation as a youth today, living in Mali and not being able to access to schools, not only for months because of COVID, but for years because of some of the attacks that schools have been facing. So Odette, I know that you are the national president of the Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Émergence. I would like to come in and to share with us in the next 7 minutes what is the current situation of the education from youth perspective as a youth in Mali? How you think we need to respond to it? But so what are the key recommendations you would like to share to the government of Sahel and the international community? Odette, merci de bien vouloir prendre la parole. La parole est à vous. Bonjour Eric, merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? Très bien, Odette. D'accord. C'est à vous. OK. Alors, bonjour tout le monde. Merci de donner cette opportunité à la jeunesse de s'exprimer à travers ma voix. Comme dit tantôt, je suis d'une organisation et cette organisation, en tant que jeune, se doit actuellement d'œuvrer pour la sécurité et la paix et surtout le retour des enfants dans les différentes classes. Merci beaucoup, Eric, pour la question. Il faut savoir que l'éducation étant le plus bel héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, aujourd'hui, cette situation d'instabilité au Mali joue énormément sur les enfants et jeunes et ils le vivent très mal parce que beaucoup ne vont plus à l'école. Et depuis déjà le début de cette année, nombreux sont les enfants qui ne sont même pas entrés en classe, à plus forte raison, commencer des cours. Et récemment, il y a eu beaucoup d'attaques violentes, surtout au nord et puis au centre du pays. Et donc, toute cette agitation autour du Mali ne fait que bien évidemment empirer les risques liés aux abus que les enfants subissent. Alors, il est vrai que la situation actuelle, elle est vraiment très difficile, parce que la pandémie a encore plus accentué cette situation. Aujourd'hui, le pays doit faire face à peu près quatre grands problèmes. Et je vais commencer d'abord Odette, vous nous entendez?
On dirait que la liaison est perdue avec Bamako. Ok. Vous êtes revenu. Vous pouvez continuer, Odette. Allez-y, allez-y. Allô, Odette, vous nous entendez? C'est bon. Oui, allez-y. Vous étiez en train de nous expliquer les quatre menaces qui pesaient. Vous pouvez continuer. Oui. Et ces quatre menaces, je disais tantôt, il y a la crise sécuritaire au nord et au centre du pays. Il y a aussi la crise de la pandémie, coronavirus, qui a pratiquement causé la fermeture de plusieurs milliers d'écoles. Ensuite, la troisième menace, c'est bien évidemment les inondations occasionnées par les fortes pluies qui ont causé... C'est bon? Oui, oui, allez-y, continuez. Voilà, et qui ont donc causé des pertes en vies humaines et aussi des pertes matérielles. Et la quatrième grande menace, c'est cette phase transitoire que le pays connaît actuellement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Mali est dans une phase de transition. Et nous, en tant que jeunes et enfants, ce que nous désirons le plus, c'est que cette phase transitoire soit pour nous une lueur d'espoir. Et c'est un peu la situation que vivent aujourd'hui les enfants et jeunes ici au Mali. Alors, les quelques recommandations que je peux transmettre de la part des jeunes par ma voix, c'est surtout dirigé à l'endroit de nos autorités nationales d'abord, ensuite des partenaires financiers qui, il faut le reconnaître, nous aident beaucoup dans l'avancée et de sortie de cette crise. Et la troisième recommandation ira bien évidemment à l'endroit des organisations de la société civile et aussi des réseaux d'enfants et jeunes. À nos autorités, nous demandons vraiment d'apporter une solution qui puisse aller en faveur des enfants et jeunes, surtout en ces temps de COVID-19, de pouvoir mettre en place des programmes visant à les appuyer psychologiquement. Car vous n'êtes pas sans savoir qu'au Mali, le social compte beaucoup. Et donc, cette crise a affecté beaucoup d'enfants, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, et surtout sur le plan émotionnel. Aux partenaires financiers, nous leur demandons encore une fois de plus, je remercie pour ces initiatives. Il faut vraiment œuvrer dans ce sens-là et mettre en place des programmes d'insertion de jeunes et à travers beaucoup de renforcement de capacités, visant ainsi à les outiller et à faire d'eux des vecteurs de changement dans leur communauté. Ce sont des programmes déjà initiés par CIV, c'est des initiatives à saluer, mais il faut encore plus les adapter à la situation du Mali. Quant aux organisations de la société civile, notamment les organisations d'enfants et jeunes, je leur implore de se réorienter vers une planification d'adaptation des besoins des enfants et jeunes, de pouvoir initier des projets ou des programmes adaptés aux enfants surtout, parce qu'un enfant d'aujourd'hui, c'est un jeune de demain, et bien sûr, un vieux ou un vieillard d'après-demain. Et donc, aujourd'hui, ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'un appui vraiment psychologique qui puisse les apporter non seulement en termes de connaissances, mais aussi qui puisse les apporter en termes de vie sociétale. Et pour ce faire, j'interpelle nos différents ministères d'éducation et d'alphabétisation à vraiment pouvoir mettre en place dans les différents établissements des pays des centres de référence communautaire pour les enfants et jeunes qui puissent les aider et les adapter et les appuyer tant sur le plan psychosocial, sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan professionnel. Merci beaucoup, Eric. C'était les quelques mots que j'avais à l'endroit des participants, à l'endroit de nos différentes sociétés. Merci, merci beaucoup Odette pour cette présentation très très claire, ce témoignage aussi sur ce que vivent aujourd'hui les enfants, les jeunes au Mali et ce besoin de faire en sorte que aujourd'hui, lorsque l'on parle de la réponse à cette situation, on s'assure que les enfants soient centraux, non seulement dans l'identification des besoins, dans le développement des programmes, mais aussi qu'on les accompagne de manière spécifique pour répondre à leurs besoins. Et dans ces besoins, ne pas oublier
l'impact émotionnel de cette crise, non seulement la crise que traverse le Sahel dans son ensemble, mais la crise éducative et le fait de ne plus pouvoir aller à l'école. Je voudrais peut-être poursuivre la discussion en allant vers le Niger. Je sais que nous avons aussi Yasmina Mohamed Boubacar qui est avec nous. Yasmina, je sais, c'est une avocate sur la question des droits des enfants, c'est une avocate aussi sur l'accès à l'éducation pour les enfants. Et je sais aussi qu'elle a beaucoup de choses à partager avec nous sur comment est-ce que cette crise éducative actuelle, finalement, elle touche l'ensemble des enfants, mais elle touche aussi certains enfants en particulier, plus que d'autres, notamment les filles. Et j'aimerais bien avoir son point de vue et sa perspective, finalement, après avoir écouté Odette. Yasmina, comment est-ce que vous percevez, finalement, les menaces éducatives? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus touchés que d'autres ou auxquels on doit prêter plus d'attention et pourquoi? Et quelles seraient vos recommandations, finalement? Yasmina? Bonjour. Bonjour, Yasmina. Alors, merci. Et par rapport à ce qu'a dit Odette, nous avons notamment des points communs par rapport au... Vous me recevez? Oui, oui, très bien, allez-y, vous pouvez continuer, on vous entend très bien. Donc, dans nos pays, beaucoup de filles et de garçons ne vont pas à l'école pour de nombreuses raisons, comme la faiblesse des investissements. Nous n'avons pas assez d'infrastructures pour permettre à ces jeunes d'accéder à leurs droits, de jouir pleinement de ces droits-là. Ensuite, avec la crise sécuritaire qu'il y a, notamment dans le Sahel, les écoles qui sont brûlées, qui sont attaquées, et avec la fermeture des écoles due à la pandémie du coronavirus. Due à la pandémie du coronavirus, plus il y a... Les élèves... Ça coupe. Vous pouvez peut-être arrêter votre vidéo, Yasmina. Peut-être ça permettra de mieux vous entendre. Peut-être si vous arrêtez la vidéo, on va mieux vous entendre. Ça va être plus facile. Je m'excuse, voilà. Je pense que ce sera meilleur. Allez-y. Donc, je disais que dans nos pays, beaucoup de filles et de garçons ne vont plus à l'école pour de nombreuses raisons, comme la pandémie du coronavirus, la faiblesse des investissements et aussi la crise sécuritaire du Sahel. Les problèmes se sont accrus et plusieurs écoles ont été attaquées par les terroristes ou brûlées. Les élèves et les enseignants ne sont plus en sécurité pour jouir de leurs droits à l'éducation. Et pour toutes ces raisons, les filles ne vont plus à l'école. Ça les expose donc à plusieurs dangers, notamment le mariage d'enfants, parce qu'une fille qui ne va plus à l'école, elle est exposée à être mariée. Pour les garçons, c'est plutôt... les laisser à eux-mêmes et c'est un risque de les voir être engagés dans la lutte du terrorisme. Nous avons également les inondations qui ont causé, comme au Mali, beaucoup de pertes matérielles, ce qui a causé la fermeture des écoles, mais aussi la rentrée qui était prévue pour le 2 octobre au Niger, qui a été repoussée parce que tous ces sinistrés-là sont logés dans les écoles. Et donc, les enfants ne peuvent pas avoir accès aux écoles pour le moment. Pour les recommandations que j'ai, je dirais plutôt que... Les gouvernements et les partenaires investissent davantage pour une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants, et en particulier pour protéger les filles du mariage d'enfants. Notre recommandation est également adressée au gouvernement afin de mettre en œuvre tous les moyens pour que les enfants qui sont en zone de conflit et déplacés à la suite de ces conflits puissent jouir de leurs droits en toute sécurité. Donc, pour le point, c'est tout ce que j'avais à ajouter par rapport à ça. OK. Merci beaucoup, Yasmina.
Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur certains des points que vous venez de mentionner, notamment dans les questions qui sont posées. Et je vous invite et j'invite les différentes personnes qui sont dans l'audience aujourd'hui à ne pas hésiter à poser des questions. Nous aurons un moment pour revenir là-dessus. Je pense que vous avez insisté, et c'est très important, sur les impacts particuliers sur les enfants, notamment des populations qui sont plus à risque. Vous avez mentionné notamment le risque en termes de mariage d'enfants, notamment dans un pays comme le Niger, où aujourd'hui, on a déjà 8 filles sur 10 qui sont mariées avant l'âge de 18 ans et qui font que cette crise, malheureusement, ne fait qu'accentuer le risque pour ces filles. Mais aussi, vous avez mentionné un risque qui me semble être un risque nouveau au Niger, mais peut-être aussi au Sahel, c'est le recrutement justement par un certain nombre de groupes, recrutement de force des enfants justement sur le terrain par les différents groupes armés. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur certains de ces points dans les questions et réponses. En tout cas, j'invite le public à ne pas hésiter à poser de questions. Et je voudrais me tourner cette fois-ci vers le Burkina Faso et inviter un collègue, Issoufou Hidraogo, qui est justement spécialiste sur les questions d'éducation en urgence, qui a mis ces dernières années en place de nombreux programmes, qui sont des programmes peut-être un peu nouveaux dans le Sahel, puisque la question d'éducation en urgence n'était pas forcément une priorité il y a quelques années. Ces dernières années, c'est devenu quelque chose de plus important. Je sais que vous avez au Burkina Faso Save the Children, mais aussi le ministère de l'Éducation, travailler justement à essayer de mieux comprendre quels sont les blocages, quels sont les obstacles qui font que les enfants ne parviennent pas ou ne peuvent pas retourner à l'école aujourd'hui. Vous avez fait une consultation qui s'adressait spécifiquement aux enfants pour entendre la voix des enfants. Est-ce que vous pourriez partager avec nous, Issoufou, finalement, quelles sont les principales conclusions ou qu'est-ce que vous avez trouvé en faisant cette analyse et surtout en écoutant la voix des enfants? Et est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques aussi que l'on devrait prendre en compte dans les recommandations que l'on voudrait agréger et partager ensuite pour la préparation de la conférence ministérielle? Issoufou, c'est à vous. Bonsoir Eric. C'est avec un plaisir que nous allons partager les conclusions d'une évaluation participative des besoins des enfants qui a été réalisée en septembre 2020. Et cette évaluation intitulée « La voix des enfants dans le contexte de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso » a été menée dans le cadre de l'évaluation conjointe des besoins de classe éducation. Les slides, s'il vous plaît. Essentiellement, cette étude avait 3 objectifs spécifiques. Il s'agissait dans un premier temps de capter les perception des enfants par rapport aux principaux obstacles à l'éducation dans les zones à fort défi sécuritaire. Il s'agissait également d'examiner l'expérience des enfants pendant la fermeture des classes suite à la pandémie de la COVID et enfin identifier leurs priorités pour une réouverture sûre des écoles. Donc, slide s'il vous plaît. Diapo. Encore, diapo. Bien, donc les données, s'il vous plaît, vous pouvez revenir en arrière. Les données ont été collectées dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc essentiellement, 6 villes ont été concernées. Il s'agissait de Fada, Dori, Kaya, Kongosi, Ouébia et Tougan. Ben, il faut relever que pour des raisons de sécurité, les données ont été uniquement collectées dans les chefs-lieux de province, c'est-à-dire en zone urbaine. Il n'était pas possible aux collecteurs de se retrouver dans des écoles situées dans des zones rurales. Bien. Donc, essentiellement, 3 catégories d'enfants étaient concernées par cette étude. Il s'agissait des enfants de 9, 12 ans, de 13, 15 ans et des enfants hors école. Donc, la figure ci-dessus présente à peu près une distribution des différents participants selon le statut. 71 enfants issus des communautés hautes ont été touchés par cette étude et 29 des communautés des personnes déplacées internes. Slide, s'il vous plaît. Bien. À l'issue de l'analyse, 10 facteurs ont émergé. Il s'agit essentiellement de la pauvreté qui était citée par 93% des enfants. Et le travail des enfants,
les travaux domestiques, l'insécurité, et à la fin, on a la stigmatisation du handicap. Mais par rapport à l'insécurité, il faut relever qu'elle se positionne en quatrième position, malgré le fait que les données aient été collectées dans des zones urbaines où le problème de sécurité se pose avec moins d'acuité. Ce qui nous autorise à penser que si les écoles situées dans les zones rurales avaient été intégrées, peut-être que ce facteur aurait gagné en importance. Slide, s'il vous plaît. Une désagrégation des données nous a permis de relever qu'il n'y a pas une très grande différence significative entre les filles et les garçons. Par contre, pour ce qui concerne les deux facteurs, c'est-à-dire les travaux domestiques et le travail rémunéré des enfants, il y a une très grande différence. Presque deux fois plus de filles estiment que les travaux domestiques empêchent beaucoup d'enfants d'aller à l'école. Pour ce qui concerne le travail des enfants, c'est tout à fait l'inverse. La proportion de garçons qui estiment que ce facteur-là empêche beaucoup d'enfants d'aller à l'école a doublé pratiquement la proportion de filles. Slide, s'il vous plaît. Bien, nous avons essayé de collecter un peu quelques verbatim des enfants par rapport à ces différents facteurs-là. Cette élève de 13-15 ans évoque la question de la sécurité. Il dit, je cite, « Les menaces terroristes font que beaucoup d'enfants ont peur d'aller à l'école. » Fin de citation. Slide, s'il vous plaît. En plus de cela, cette fille de 9-12 ans a évoqué la question du mariage forcé ou précoce. Je cite, « Pour elle, beaucoup de parents retirent leurs filles de l'école pour les donner en mariage afin de recevoir la dot, les moutons, les bœufs et de la cola. » Bien, il faut reconnaître que l'insécurité, en plongeant des familles dans une certaine précarité, l'insécurité peut constituer un facteur aggravant. Parce que pour certaines familles, faire marier une fille, c'est réduire le nombre de bouches à nourrir, tout en espérant profiter des dividendes socio-économiques d'un mariage réussi, entre guillemets. Slide, s'il vous plaît. Slide, diapo, s'il vous plaît. Bien. OK. Bien, donc, relativement à l'espérance des enfants pendant la fermeture des écoles suite au COVID, mais il faut relever que 63% des filles et garçons affirment avoir consacré un certain temps pour réviser leurs leçons. Par contre, moins de 50% des enfants ont déclaré avoir disposé de matériel d'apprentissage à la maison, ou d'avoir bénéficié du soutien de leurs parents ou des tuteurs, encore moins des enseignants. Par contre, à l'unanimité, 99%, les enfants sont disposés à repartir à l'école. Slide, s'il vous plaît. Bien. Quelles sont alors les priorités des enfants pour la réouverture des classes? Et les filles et les garçons souhaiteraient retrouver une école sûre, c'est-à-dire une école où aucun enfant ne court le risque de contracter la pandémie telle que la COVID ou toute autre épidémie de quelque nature que ce soit. Également, les enfants souhaiteraient retrouver une école sécurisée où ils seront à l'abri des attaques terroristes et de la psychose qui en découle afin de se consacrer avec sérénité à leur apprentissage. Et également une école propice à l'apprentissage avec une très bonne interaction entre les enseignants et les élèves, et également entre les élèves eux-mêmes, et à la clé avec des résultats scolaires assez probants. Slide. Bien, pour l'amélioration de la scolarisation dans ces zones à fort défi sécuritaire, les enfants ont formulé les recommandations suivantes. Que le gouvernement prenne des mesures afin de protéger nos écoles, ça c'est la voix des enfants, nos écoles, les élèves et nos enseignants contre les attaques et rendre notre environnement d'apprentissage sain. Également, que des dispositions soient prises naturellement par le gouvernement afin que les filles, les enfants vivant avec des handicaps ou ceux issus de couches vulnérables puissent poursuivre leur scolarité malgré les multiples crises grâce à des bourses spécifiques ou à l'enseignement à distance. Bien, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Issoufou.
Merci pour cette présentation. Je pense que c'est une parfaite transition. On vient de voir un peu quelle est la situation au Burkina Faso, mais on vient surtout d'entendre finalement quelle est la perspective des enfants sur cette situation. Clairement, une forte volonté des enfants de repartir à l'école, repartir dans une école qui est sûre, dans une école qui est sécurisée, qui est propice à l'apprentissage, mais aussi des enfants qui feront face à un certain nombre de difficultés pour repartir en cours. La première difficulté étant de loin la question de la pauvreté. Toutes les familles ont été impactées par le Covid-19 et cet impact ne sera pas sans conséquences pour tous ces enfants, mais on voit aussi qu'au-delà de cela, d'autres conséquences, que ce soit en termes d'enfants qui sont amenés maintenant à travailler, faire des travaux domestiques à la maison ou des travaux hors de la maison, mais aussi pour certains, et notamment les filles, être mariées de force comme des mécanismes finalement de survie qui ont été développés par les parents. Dans ce contexte, et je souhaiterais maintenant inviter M. Stanislas Waro, ministre de l'Éducation, ministre de la promotion des langues nationales du Burkina Faso, à pouvoir nous rejoindre. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous nous entendez. On dirait qu'on a encore un problème technique. Ok, on va essayer de résoudre ce problème. Et donc, avant de repartir vers le ministre de l'Éducation du Burkina Faso, je vais aller vers notre collègue, Yasmine Chérif, qui est la directrice de Education Cannot Wait. Yasmine, I don't know if you can hear me. I think that you heard about the experience from the children, how they are living this current situation. But also you heard about the voice of the children based on this survey which have been done in Burkina Faso. Education Cannot Wait has been investing a lot to date in these three countries to try to respond to the current crisis. Can you explain a bit more what has been the investment to date in this country for Education Cannot Wait? What would be some of your response, in fact, to the recommendation which have been made from the youth speaker? But so what are some of the plans for Education Cannot Wait in terms of support for this country, for this region, to make sure that we'll be able to respond to the education crisis in Central Sahel? Yasmine, over to you if you can hear me. Thanks. Thank you very much, Eric, and thank you all of you. Education Cannot Wait. We are very grateful to be able to co-host this very important and timely event ahead of the ministerial meeting. Sahel needs more attention than ever. I would also like to thank for the very strong recommendations, and I was really taken aback listening to that. To Yasmina, with the enormous pressure that you are going through in your respective countries and across the Sahel as a result of climate change, extreme poverty, the armed groups and the terror, and then on top of it, COVID-19. And there is no other choice but to act. We have to act. And we have to hear and heed your calls. And I would also like to welcome Save the Children's very, very important study, because it's a needs analysis based by the children. And I can even relate to, you know, being a young child saying, I want to go back to school, but you have to provide me with the protection, not only the protection from COVID-19, but from terror groups. And I want good learning, because that's the only hope they have left. It is to return to school and to be able to access a quality education. And that's what they said. So this is all very helpful to Education Cannot Wait in the work that we are doing and we are scaling up in the Sahel. Very clear solutions. And let me pick up on two recommendations that have been discussed today. The first one is the funding.
Now, for education cannot wait, we were asked to speak about what we have done so far. We have invested $30 million across three countries in the Sahel, in Burkina Faso, in Mali, and in Niger. So that's the first step of our investment in the Sahel. And this investment reaches 250,000 children across the Sahel and adolescents. And we would, of course, then take the opportunity for our strategic donor partners who are present today. We had 20 of them, part of the Education Cannot Wait family, to thank you for that support and making it possible. And especially also special thanks to the United Kingdom and the United States, who actually topped up the report for Sahel in addition to the contributions already made. Now, last week, we know that these are first emergency responses, though 30 million, coming in fast, 1 year to deliver, look at immediate crisis to restore some education in the midst of COVID-19 through remote learning and through hygiene and immediate protection mechanisms. But we also have another window or approach in Education Cannot Wait, which is really our most important, and that's our multi-year resilience programs, where we work both with the humanitarian and the development actors together with the governments of these three countries to implement more long-term immediate, the humanitarians do the immediate, and then the development actors who are part of this joint program do the medium and the long term, and then it all ties together. And last week, we launched the development of our multi-year resilience investment in the Sahel, again, the same three countries, Burkina Faso, Mali, and Niger, that will disperse $33.3 million over a period of 3 years. And so in total, Education Cannot Wait will invest $62 million in the Sahel. 30 has already been invested, an additional 33.3 will be invested. And here I would like to say the funding gap after this investment is $94 million. So I would say to all our strategic donor partners, to all private sector and foundations who may be part of this or the ministerial meeting next week, $94 million is the funding gap if you're gonna do this properly in the Sahel to increase and strengthen SDG4 and deliver on the quality education that the children are clearly asking for in the study pursued by Save the Children. I want to take a second recommendation also, reaching those left furthest behind. In total, we are speaking about 8 million children in these three countries whose education has been disrupted. In addition, and it's an important I think dimension of the challenges we face, the Global Coalition to Protect Education from Attacks have reported, and was mentioned earlier today, 4,000 schools had to close because of attacks against education institutions or students and teachers. And we have 13 million out of school today due to COVID-19. So as we focus on those left furthest behind, we have to zoom in on those who are the most marginalized amongst them, or reach those who are the most marginalized. Here we are speaking about the girls, and I think we had two very strong youth advocates speaking today, Odette and Yasmin. We are speaking about the girls. We need to focus on gender responsive programming. And this is a call to all our UN agencies, civil society partners who are supporting the Minister of Education of the governments of Mali, Burkina Faso, and Niger through the ECW investments. Gender responsive. We also have to ensure that what we do is holistic. It's the whole of child approach, that we focus
on the entire needs of the child, from the social emotional learning. And here, let me stress the psychosocial support and mental health that is so needed. When I heard Odette speak about the floods and the flight from terror groups and the extreme poverty and the closure of schools to COVID-19, just imagine what it does to the mental health of a child in Sahel today. Psychosocial services needs to be integral to our education support. The learning materials, the children are calling for quality learning. The empowerment of the teachers, they need training. They need training how to manage also during COVID-19. Protection mechanism to make sure that the schools are secure. And then the whole package that comes out of COVID-19 also hanging on for the sanitation and the hygiene and social distancing and rehabilitating classrooms to provide for social distancing. So the whole spectrum has to be covered in all the investments in the program that we are now developing. And finally, then let me make this call. I really call on strategic donor partners to step up. Yes, we know that there's going to be a financial recession. It's already begun as a result of COVID-19. But from education cannot wait. It came out, it was conceived from the whole idea that no matter what befalls us, education cannot wait. And the children and adolescents of Sahel have waited long enough. Their education cannot wait until the terror groups in Northwest Mali have been eliminated and that conflict has come to an end. Their education cannot wait until climate-induced disasters are not affecting their lands anymore. Their education cannot wait until they have risen out of extreme poverty. Their education cannot wait until COVID-19 is over. It may last for a year, it may last for two, it may last for three. We do not know. We cannot tell them to wait until it's over. And nor can education wait until the economic recession is over and we have bounced back. We don't know how many years it will take. And most importantly, the funding that we give now and invest now will determine whether we can get ourselves out of economic recession and whether the Sahel can rebuild and end the vicious cycle of extreme poverty, of violence, of climate-induced disaster. It depends on the new generation of children and adolescents in the Sahel. Therefore, their education cannot wait. And we at Education cannot wait. We are traveling very soon to the Sahel. We will be with you because our mission to be there and deliver education when it's most needed cannot wait. And we hope that the rest of the world feels the same impatience as we do. Thank you very much. Thanks a million, Jasmine, for this very convincing and very important message that you have been sharing with us. Not only about the importance to really take into account the specific needs of children, and particularly in terms of the psychosocial support they need, looking about all the stress, but also of the risk that they're facing every day. The importance also to make sure that solidarity is not just a word, but becoming followed by some concrete action. And I'm sure that is something we're gonna make echo to the ministerial conference next week. But all of that to make sure that we can break this vicious cycle in a region when, as I was saying at the beginning, one person out of two of the region is under five. I think that's really a very good opportunity now to make, to go to the next panelist, which is Mr. Michael Kohler, Deputy Director General of the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, named as ECHO, and many of you know what is the role of ECHO. ECHO is not only one of the major humanitarian donors in the Sahel, but it's donors who have been really supporting and engaging from a political point of view and from a financial point of view for years in this region. We know very well this region and who has been playing a very important role
into the organization of the upcoming conference next week. So, Mr. Koller, I think you heard about the word of Yasmin Cherry from Education Cannot Wait, but also from the heard of the children, the word of the children, sorry, a bit earlier. As I was saying, you are one of the major humanitarian donors in the Sahel, focusing on saving life also. But I think that ECHO this last couple of years has been stepping up and investing more and more into education in emergency. Why is this, and how is this this investment in the sector is so important in your response to save life in a region like Sahel? And from what you heard from the voice of the children and the youth from Burkina Faso and from Mali, but also for Niger, what would be your reaction, or what would be your offer as the Deputy Director General of ECHO? Over to you, Mr. Koller. Thank you, Eric. Merci beaucoup. Listen, first, I have to thank all of you for a very lively and very topical debate. I mean, it's really spot on, it's really good, and I don't say this every day, so this is not just a politeness formula. And I think the answer to your question was, in fact, given by Yasmina a minute ago. I mean, when she made this passionate plea for education and telling us, and with so many good arguments, why education cannot work, or cannot wait, excuse me, also telling us that education cannot wait until COVID is defeated, until there's security, until development problems are being overcome. And she's right. But at the same time, I would say education can and must be an answer to all these challenges as well. There will not be any possibility to overcome the security risk. There will not be any possibility to overcome the health risks with COVID. There will not be the possibility to build more inclusive societies and to address development problems without education. Because education is, of course, much, much more than just transfer of knowledge. We spoke about the protection needs of children, in particular young girls. There will be no protection without education. Education is a basic social service. And if we want, and that is very much what we want to do as humanitarian operators, if we want to make sure that children are, let's say, benefiting from humanitarian aid, if we want them to develop, then education is a key. We cannot, in our kind of professional language, we speak about building resilience. We cannot build resilience. We cannot help people to overcome the hardness of life and to overcome the shocks that come from the outside, like a pandemic, like a war and so forth, without education, without equipping children with the tools to forge themselves and shape themselves their own future. And therefore, for me, education is also a means of peace building. In particular, of course, in a society like in the Central Sahel, where about half of the population are younger than 15 years old. So we're speaking really about the population. If there's no education, we commit a sin against the future of the entire society, of the entire people of Burkina, of Mali, of Niger, and neighboring countries. So all this becomes even more important, of course, in the time of COVID-19. But even without COVID-19, peace building, social services, protection, promoting women and girls, all this requires education. We cannot wait for that. And that's one of the reasons why the European Commission, very early on, not only in the past 2 years or so, but many years ago, decided to dedicate a particular percentage of its humanitarian aid budget, in addition to the development budget, to education in emergencies. We have invested now more than 450 million euros in education in emergencies in around 59 countries in the world. And in the Central Sahel, only in this year, we are spending projects worth 6.5 million euros. And that, of course, represents about 10% of our overall budget. I think this is very important. I don't say it's enough,
But I would be very happy, and this is what one of my two recommendations on the occasion of this panel, if every donor of humanitarian aid had a significant, dedicated, and earmarked, ring-fenced amount for education emergencies in its own humanitarian aid budget. It's not only the amount of money that needs to go into education, it's also the way how we operate. And there we try from the European Union, and again, sorry for being a little bit technical here, we try to establish new methodologies, go new paths, go beyond the individual little projects. What we need is mid and long-term funding for education, not only every year a contract, every year a program. And we need to address structural problems. Therefore, we have launched two, we call this in our language, programmatic partnerships. These are multi-annual, multi-country programs that integrate education emergencies, protection, mental health, and psychosocial support in the Sahel region into one project. This for this, we have put aside more than 9 million euros, and this supports 370,000 girls and boys only during the first year of implementation. As I said, in Burkina, in Niger, in Mali, with a strong focus on working with local partners and with national authorities. So this is very important. And of course, in all that, we have to work in particular concerning the gender component. Girls need to be promoted in a particular way. Girls are the future of the society. They are, unfortunately, in many regards discriminated. And therefore, in our education programs, we need to make a particular effort to help them. For example, think of Mali, where the literacy rate of girls is about 20% lower than the one of boys. In Burkina, the figure is 17%, not much better. This shows that we need to focus our education assistance, and we need not only to do more, but we need to do more in particular when it comes to girls. Other indicators tell us exactly the same message. For example, when we look at the young population that is out of school, that does not have the possibility of attending schools, again, the vast majority of these young people are girls. And there we need to help. We need to help with humanitarian assistance, but also with development assistance. And these things have to go together. They need to be dovetailed. We call this the nexus approach, humanitarian and development programs going the same way, being coordinated. And this is what we try to implement together with our partners from the development side in a holistic approach that looks into many, many aspects. I spoke about literacy, I spoke about psychosocial support and so forth. Sometimes it starts with something very basic, like, for example, the facilities in schools, the toilets, the water supply. We know that the absence of decent water hygiene and sanitation facilities in schools is a major reason for young girls not to attend school, not only for young girls, obviously, but young girls may be even more concerned than boys sometimes. So we need to do that. We need to create child-friendly spaces in the schools. We need to provide psychosocial support for young students that come from conflict situations, that have witnessed violence, that are traumatized. We do this in many countries in the world, and in the Sahel, it's definitely very, very important. It's also very important to listen to the voice of the young themselves. And I saw in the chat room that Mr. Gorgiso asked a question. Very happy to report that, of course, in our programs, we also try to do two things. First, if you want to mainstream education, then you also have to speak to the parents. Parents, families have to understand why education is important, and we have to include them in the way how we implement our programs. And secondly, the EU is financing a number of clubs for children, for adolescents, for youth in the Sahel, to give children exactly a voice when it comes to the learning and to the safety of the school environment, but also to discuss skills and protection issues that they need to learn. So this is a small attempt, but it's an attempt which, in my view, is important.
So all this in order to promote girls, young boys, and to kind of safeguard their chances in life, but safeguard also the development of the societies altogether. I use this technical term nexus, which is a Latin word, which simply means the link in our terminology here between humanitarian efforts, development efforts, and other, for example, peace-building efforts. This is important if we want to provide protection for the school population, for the young ones, if you want the armed forces in the area to respect international humanitarian law. All this is important to have safe schools, and therefore we are committed to support initiatives like, for example, the Safe Schools Declaration, and prioritize support in that regard at all levels. And there I come, and I would like to finish with that, to my second recommendation. The first one was that donors should put aside a dedicated amount for educational emergencies in the Sahel. The second recommendation is really that they don't come with a traditional fragmented, compartmentalized approach, but that they think development needs, humanitarian needs, and peace building needs together, and that education plays a prominent role and a preeminent role in humanitarian, in peace building, and in development, so that we have a joined up approach. I think if we did that, then given the scarcity of resources and given the enormous size of the challenge, the huge number of young people that are in the need to get better education, then we are in a slightly better position to help with a significant outcome. But of course, the task is daunting. However, no task can be accomplished, no job can be done if one is scared of the challenge. One has to start, we have to start, we have to do it together. And I think with dedicated money, with a joined up approach, and with in particular listening to the people on the ground, we have a better chance to do our job correctly. Thank you. Thanks a lot, Mr. Koller. Thanks a lot first for your time, because I know that you are a quite busy person, if I'm right. And I think taking the time to be with us during all this event is really an honor for us and also a privilege. So I think that's really, really great. And I think, as you understood, we have been waiting for the Minister of Education from Burkina Faso. It was a very last minute emergency, but it seems that he will be with us certainly in 50 minutes. So what I would like to do then is certainly, we have a small video to share with you. I would like to go to the video, pick a couple of questions, and maybe at the end of the panel, give the opportunity of the Minister of Burkina Faso to come and make a couple of comment about some of the recommendation which have been made during this meeting. So if you don't mind, what I would like to do next is really to ask our colleague to share one video from our colleague from Education Cannot Wait, showing a bit or giving a bit of human faces about what you have been doing this last 70 minutes. If we can get the video, Andreas, please, over to you. Important pour les enfants déplacés, puisque ce sont eux aujourd'hui les futurs bâtisseurs de ce pays. On ne peut pas dire qu'ils viennent de Bundaga ou bien ils viennent de Banyagara, ils viennent de Douanza. Ces enfants qui sont là
si on leur donne une éducation de hauteur, de niveau, comme qu'il se doit, on peut avoir des ministres entre eux, des docteurs entre eux, des policiers. Donc vraiment, tous les enfants ont droit à une éducation. C'est grâce à la tablette que nous nous sommes imprégnés des méthodes actives et participatives où nous avons compris comment est-ce qu'on doit faire face aux enfants, qu'est-ce qu'il leur faut, qu'est-ce qu'on doit leur donner, quelle est la pédagogie qu'on doit appliquer. Et les méthodes actives maintenant et participatives, là, c'est de mettre l'enfant même au centre de son apprentissage. Le maître ici est seulement le catalyseur. Si les acteurs communautaires, les acteurs civils, les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs, les partenaires, si nous aimons tous ensemble, je pense qu'on peut avoir, on peut mettre fin à cette crise, puisque cette crise ne fait que trop durer. Il faut que vraiment les partenaires internationaux essaient vraiment de discuter avec l'État, pour vraiment ils essaient de mettre fin à la crise que connaît aujourd'hui l'école malienne. Thanks a lot for this important video showing how some of the new programs are really trying now to respond to this crisis here in the particular case of Mali. And I think that was one of the questions which was really asked in the different question and answer about if you want really to put the children in the center of the response, how do we do? So I think we already have in some way addressing one of the question. I think there is three or four questions I would like to ask our different panelists to comment before coming back to our colleague in Burkina Faso. So the first one is certainly for Odette in Mali. Odette, une des questions qui a été posée, finalement, c'est avec la transition en cours au Mali, quel message vous auriez en tant que jeune pour les nouveaux dirigeants du Mali? Et que leur recommandez-vous pour que l'éducation soit mieux prise en charge et surtout ne soit plus menacée dans le pays? Je vais vous laisser une minute pour répondre à cela, mais avant, je voudrais aussi voir deux, trois autres questions. Il y a une autre question sur l'importance de la protection des enfants et peut-être que Yasmine Cherif pour Education Cannot Wait pourrait adresser cette question. On sait que dans les pays comme le Mali, le Niger, les budgets alloués à la protection des enfants sont parfois extrêmement faibles. Certains parlent de 0,5% du budget national. Comment est-ce qu'on prend cela en compte? Comment est-ce que l'aide internationale accompagne les gouvernements pour accompagner cela ou répondre à ce défi d'accroître la protection des enfants, notamment d'un point de vue budgétaire? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les organisations locales de la société civile sur ce genre de questions. On a beaucoup parlé aussi de la protection, mais notamment en termes de mental health and psychosocial support, le soutien, l'accompagnement psychosocial des jeunes. Je pense que nous avons commencé à voir l'importance de travailler là-dessus. Je voudrais peut-être revenir vers notre collègue au Niger, Yasmine, pour nous dire si elle a des exemples concrets de comment est-ce que l'on peut prendre en compte l'appui psychologique que l'on doit offrir aux enfants. Et je sais que M. Koller a déjà commencé à élaborer là-dessus, et donc s'il souhaite compléter, il pourra aussi compléter. Odette, si vous m'entendez, peut-être que vous pouvez répondre à la première question et ensuite nous irons vers Yasmine avant d'aller vers Yasmina et M. Koller. D'accord. À vous. Merci beaucoup, Eric, pour la question. Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'au Mali, depuis plus d'une décennie déjà, le pays n'a pas connu une année scolaire assez normale sans qu'il y ait des perturbations, notamment les différentes grèves intempestives du corps professoral pour l'application de l'article 39 surtout. Et donc, ce que je peux ou ce que nous pouvons demander à nos autorités de cette transition, c'est vraiment de ne plus essayer de sauver les années scolaires, car les enfants aujourd'hui sont en train de concourir, ils sont en train de faire des classes et ils ne comprennent absolument pas les cours. Ça, c'est déjà un premier défi à relever.
Le second défi, c'est qu'il faut rehausser la qualité des formations données aux enseignants. Et comme je disais, il faut vraiment que ces autorités ne cessent plus de sauver l'éducation, ne cessent plus de sauver les écoles, mais plutôt d'essayer de s'accentuer sur la réforme du système éducatif. C'est ce que je peux adresser à nos autorités de cette transition et surtout de dire à la jeunesse malienne que nous sommes source d'opportunités, que nous sommes source de solutions et donc que c'est à nous de voir comment est-ce qu'à l'interne déjà, on peut essayer d'aider nos petits frères et nos petites sœurs à aller en classe, déjà à la maison et ne plus laisser toute la tâche aux professeurs ou aux enseignants. Merci beaucoup Odette, merci beaucoup pour cet appel et ce rappel surtout, ce rappel que finalement la jeunesse, c'est d'abord des opportunités, c'est de l'espoir, c'est le futur. Et donc, si on réforme aujourd'hui les systèmes éducatifs, c'est aussi pour prendre avantage de toutes les opportunités offertes par cette jeunesse. Je voudrais peut-être aller vers Yasmine, qui est la directrice de Education Cannot Wait. Yasmine, there is a question around how do we make sure that in the national budget, the question of the child protection is better integrating and how do we work with that on this, with civil society organization. Over to you, Yasmine. Thank you very much. I thought that the question was for our youth advocate, Yasmina, in Niger, and she probably will know it even better than I do, at least what the protection situation is on the ground. But in terms of how we can ensure that stronger budgets also look into protection, for education cannot wait, protection is integral to everything we do. When you operate in a crisis where children and adolescents are vulnerable to violence on a daily basis, protection is a priority. And that means by using budgets that will allow for an infrastructure that creates safer schools, that's the number one. Even if it means to build walls around the schools and make sure that there are guards around the schools so that children are not being abducted or being attacked. So that's one way of doing it. If it is safety and protection from COVID-19, is to ensure that the budget can be used, is sufficiently strong to be used to rebuild classrooms so that one can have social distancing and allow the same amount of children to actually return to school rather than leaving some out. Bigger classrooms, I will allow for that. It means to scale up on any measures that are required for hygiene and for sanitation so that children can go to school and still keep to the protocol of staying away from the virus itself. Budgets can also allow for advocacy, and advocacy for the respect of international law. And if the parties to the conflict or those who are carrying out the attacks don't respect international law, well, advocacy for countries who care about the Sahel for to take action, legal remedies through sanctions, through targeted sanctions of those who support the violence. So there are many ways to use budgets and financial resources, physical protection, and I gave a few examples, and legal protection. But without protection, it's not possible to deliver SDG 4 quality education in a place like the Sahel. So for Education Cannot Wait, additional resources will enable us to create a safer learning environment for children through protection. Thank you. Thanks a lot, Yasmine, and sorry if I put you on the spot on this one. But I think you make a very important case about the centrality of protection as a core element of every what you have been discussing today, and particularly the centrality of child protection. I would like now to go to Yasmina in Niger. Yasmina, nous avons parlé un peu plus tôt du besoin de répondre au... Eric? Oui. La ministre est là. Oui, je termine juste avec Yasmina et puis nous revenons tout de suite à Ouagadougou.
donnez-nous encore 30 secondes et on vient vers vous. Et je voulais juste demander à Yasmina, en tant que jeune qui a beaucoup entendu parler cet après-midi du besoin d'accompagnement en termes d'appui psychologique et social, est-ce qu'elle aurait une suggestion à faire ou un partage important d'expérience à faire avec nous en une minute sur cette question? Comment est-ce qu'on accompagne les jeunes pour faire face à tous les besoins psychologiques et sociaux, Yasmina, en quelques instants? Alors, je sais que dans les programmes d'urgence, nous avons des organisations qui prévoient des espaces qu'on appelle « amis des enfants » pour que ces enfants-là puissent s'ouvrir aux autres enfants. Ce sont des enfants réfugiés, ce sont des enfants déplacés, ce sont des enfants qui ont vécu certaines choses, notamment les zones de conflit. Et donc, avec ces espaces-là, ils deviennent plus ouverts et surtout avec l'appui des psychologues. Nous avons également des cliniques mobiles qui se déplacent pour aller à la rencontre des victimes de violences basées sur le genre. Et je pense que si nous faisons plus la promotion de ces centres d'écoute et d'éveil-là, ça aiderait tout le monde. Et par rapport au budget de la promotion... Je vais juste vous arrêter là, Yasmina. Je pense que vous avez dit des éléments essentiels, et notamment en donnant des exemples importants sur comment est-ce qu'on s'approche des populations et des cliniques mobiles, comment ce ne sont plus les populations qui viennent vers nous, mais c'est nous qui allons vers eux. Mais pour essayer de gérer le temps, avec les quelques minutes qui nous restent, je souhaiterais juste m'arrêter ici et donner l'opportunité à M. le ministre Stanislas Waro, ministre de l'Éducation et de la Promotion des langues nationales du Burkina, pour venir aussi partager quelques éléments. Monsieur le ministre, bonjour. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé, que vous avez tout fait pour nous rejoindre. Je sais que cet événement vous tient beaucoup à cœur. Nous avons déjà été ensemble il y a quelques mois dans un exercice similaire à Addis Abeba avec l'Union africaine. Nous avons eu un échange extrêmement riche cet après-midi où nous avons entendu les jeunes, nous avons entendu les représentants de Education Can't Not Wait, de ECHO, l'ambassadeur plénipotentiaire aussi pour le Sahel, de l'Espagne aussi était avec nous, et vous savez l'engagement de l'Espagne sur cette question, notamment sur la protection des écoles contre les attaques. Le Burkina a été un peu l'épicentre de cette crise, notamment la crise des attaques contre les écoles ces dernières années, avec plus de 2500 établissements scolaires. Finalement, aujourd'hui, une des questions qui a été posée par le panel, et notamment par l'audience, c'est de se dire qu'est-ce qui est fait dans un contexte aussi complexe et aussi difficile? Qu'est-ce que peuvent faire les autorités, mais aussi qu'est-ce que font les autorités pour répondre à cette crise, pour répondre aux besoins des enfants de pouvoir retourner à l'école et y retourner en toute sécurité? Si vous pourriez partager quelques-uns des exemples et du travail que vous avez fait au Burkina Faso ces derniers mois, et au-delà même, nous en serions ravis, mais surtout aussi partager avec nous, finalement, si vous aviez des recommandations à partager pour la conférence des ministres qui se tiendra la semaine prochaine de manière virtuelle et qui sera hébergée notamment par l'Union européenne, le Danemark et l'Allemagne, qu'est-ce que vous leur demanderiez pour s'assurer que l'éducation au Sahel sorte de ce cercle vicieux dans lequel elle est enferrée? Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci, Eric Hazard. Et je voudrais, avant d'intervenir, m'excuser auprès de tous ceux qui sont là, qui suivent et qui attendaient que je puisse intervenir dès le début. Parce que bon, j'ai été appelé d'urgence par le Premier ministre, qui est mon patron aussi. Et donc, j'étais obligé de partir. Mais je suis heureux de vous rejoindre pour les dernières minutes qui restent pour parler de cette question extrêmement importante. Alors, il faut dire que pour ce qui est de la situation du Burkina Faso, effectivement, au regard de l'ampleur du phénomène d'attaque des écoles donc, par des terroristes, parce que le message, il est clair, hein, nous ne voulons pas que vous enseignez en français. Ça, c'est le message qui est partagé un peu partout. Et donc, on a compris que l'objectif, c'est de détruire le système éducatif. Et donc, il fallait prendre le taureau par les cornes. Et ce que nous avons donc fait en février 2019, nous avons adopté une stratégie de scolarisation des élèves dans les zones à fort défi sécuritaire et qui ne s'intéressait uniquement qu'à cette question de comment rouvrir les écoles fermées liées à l'insécurité. Et par la suite, il y a eu la pandémie, le coronavirus donc, qui a provoqué la fermeture de l'ensemble des établissements.
Et donc, on s'est rendu compte qu'à côté de la crise sécuritaire, il y a aussi d'autres crises qui peuvent affecter durablement le système éducatif. La crise sanitaire, tous les établissements étaient fermés. Et donc, ça, c'était quelque chose de malheureusement drastique. Et puis, bon, il y a la question de la fronde sociale, mais aussi donc, les questions de crise liées donc, à la crise climatique, je vais dire, les inondations, qui en général donc, provoquent donc, un déplacement de population vers des sites plus sécurisés lorsque leur maison de fortune s'effondre. Et en général, ce sont les écoles qui sont utilisées. Et donc, vous avez à la rentrée des écoles qui sont occupées par des déplacés liés aux catastrophes naturelles, des déplacés liés à la question sécuritaire qu'il faut gérer. On ne peut pas les chasser des écoles parce que c'est des abris qu'ils ont recherchés. On est obligé de travailler avec le ministère en charge de l'action humanitaire, les ONG qui interviennent pour leur trouver des refuges et permettre aux élèves donc, de revenir reprendre leur classe. Donc, ce qui veut dire que ces élèves aussi attendent, on en a encore quelques établissements occupés liés aux catastrophes naturelles, ces élèves attendent justement que ceux-ci partent pour occuper, alors que d'autres ont déjà commencé les cours. Et donc, ça nous a amené finalement à mettre à jour notre stratégie et à l'appeler désormais la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence, qui prend toutes les situations d'urgence. Ça, c'est extrêmement important. On va se focaliser uniquement sur la question sécuritaire, qui est le premier facteur de perturbation du système. Mais on s'est rendu compte que la maladie à coronavirus a été plus grave parce que tout a été fermé. Et puis, donc, les catastrophes naturelles qui font qu'il y a des écoles qui sont occupées pendant un moment. Et donc, nous avons donc mis à jour notre stratégie. Nous l'avons appelée maintenant stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence, qui a été adoptée, qui va être partagée, donc, ou qui est peut-être faite déjà. Et donc, pour ce qui est d'abord de cette question de comment régler ces crises, le premier aspect important, c'est la collecte des données fiables. Important. Et pour ce faire, nous avons été accompagnés donc, par des partenaires donc, qui sont là toujours comme Save the Children, UNICEF et autres. Et nous avons aujourd'hui donc, un outil qui nous permet en temps réel de collecter les informations. Donc, vous, dans votre intervention, pour m'introduire, vous avez parlé de plus de 2500 établissements. Et effectivement, à la date du 16 mars, lorsque nous fermions nos établissements pour des raisons de crise sanitaire liées à la maladie à coronavirus, on avait 2500 établissements fermés. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avons 2400. Nous avons réussi à ouvrir 112 établissements. Nous avons 2400. Et ce travail de collecte, parce que l'année dernière, on était obligé d'attendre vers la fin du mois d'octobre pour avoir toutes ces informations. Avec ce système digitalisé qui permet la collecte en temps réel et les collecteurs qui sont nos collègues dans les services déconcentrés du ministère en charge de l'éducation, ont des téléphones, ils ont la connexion donc, au réseau cellulaire gratuit, donc, qui est payé donc, par nos partenaires. Et donc, nous, chaque jour, on peut vous faire un point donc, de la situation des établissements fermés. Ça, c'est extrêmement important comme point de départ pour aider donc, justement à cartographier les situations et pouvoir intervenir. Deuxième aspect, il faut que vous ayez une structure bien organisée et qui gère tout ceci. Ce n'est pas quelque chose qui peut être géré par le directeur du cabinet du ministre, par un conseiller technique ou par le secrétariat général. Ça, c'est une urgence et c'est pour ça que nous avons créé le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence. Alors, au Burkina Faso, il y a deux types de secrétariats, le secrétariat permanent et le technique. Le permanent, il est là ad vitam aeternam, mais le secrétariat technique, il a une durée de vie de 5 ans parce que nous avons espoir que d'ici 5 ans, on aura réglé le problème. Sinon, on le transformera toujours en secrétariat technique de quelque chose. Donc ça a été créé, ça fonctionne parfaitement. Et ça c'est le deuxième aspect qui est extrêmement important. Le troisième aspect important, c'est le dialogue avec les communautés, le dialogue avec les forces de défense et de sécurité. Parce que malheureusement, l'essentiel des établissements fermés, actuellement les 2400, sont fermés pour des raisons d'insécurité. Et ceux qui peuvent ramener la sécurité, ce sont les forces de défense et de sécurité, mais les populations et les collectivités, dans un dialogue sincère. Et nous organisons régulièrement des rencontres. Nous avons 5 régions sur les 13 régions du Burkina Faso. Disons 6 régions sur les 13 régions qui sont touchées par le phénomène d'écoles fermées pour des raisons d'insécurité. Et donc, nous avons un dialogue permanent avec les gouverneurs de région, qui sont les représentants du gouvernement dans ces régions, avec le commandement des forces de défense et de sécurité, l'armée, la gendarmerie et la police, avec les directeurs, donc avec les chefs de collectivité territoriale, donc les présidents des conseils régionaux, des régions concernées, les maires des communes concernées et nos directeurs déconcentrés de l'éducation nationale.
Et nous organisons régulièrement, on va dire peut-être une fois tous les 3 mois, des rencontres à Ouagadougou, à la capitale, avec tous ces acteurs pour apprécier la situation et prendre des décisions. Ce dialogue aussi, il est essentiel pour mobiliser la communauté. Alors, à la suite de cela, maintenant, il y a la mobilisation des ressources. Parce que beaucoup d'écoles sont fermées parce que ces écoles ne sont pas clôturées. Alors, nous avons 15 000 établissements au Burkina Faso non clôturés. Nous avons fait une évaluation de la clôture des établissements parce que les établissements, ils sont naturellement grands parce que dans un établissement, il faut un terrain de sport, de foot, il faut des espaces de jeu. Et donc, les dimensions sont telles que les clôtures sont coûteuses. Et donc, nous avons fait une évaluation et nous avons besoin d'un peu plus de 500 milliards de francs CFA pour clôturer l'ensemble des établissements. Donc, l'arbre, c'est quoi? C'est peut-être bon, ça, on le verra après, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, pour la clôture, nous ne pouvons pas le faire avec le budget de l'État. Ce n'est pas possible. Parce qu'à côté de ces défis, nous avons besoin d'effacer les classes sous abri précaire ou sous paillotte. Donc, nous avons d'autres défis à relever. Et donc, il faut que les partenaires nous accompagnent à mobiliser les ressources. Si les établissements sont clôturés, 60% des problèmes sont réglés. Parce que les élèves ont des abris, ont des protections. On essaie d'expliquer avec Safe School comment il faut se protéger. Mais si l'école n'est pas clôturée, vous protégez comment? Si les enfants sont dans la cour de récréation, en train de jouer et puis les terroristes arrivent, ils se protègent comment? Ils vont courir dans tous les sens. Mais si c'est clôturé, on peut protéger. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut que la communauté se mobilise si elle souhaite que nous puissions sauver l'éducation. Parce que ces enfants, ça va très vite. Hein. Si dans les 5-10 ans, on n'a pas trouvé de solution, ces enfants-là sont facilement recrutables par les terroristes. Et c'est l'objectif des terroristes. C'est de pouvoir créer le plus de mécontents et de pouvoir en recruter parmi pour se nourrir de ces enfants et de ces personnes. Et surtout, s'ils ne sont pas éduqués, bon, ils ne comprennent rien du tout et donc ils vont facilement là-bas. Donc ça, c'est la mobilisation des ressources pour la clôture des établissements, mais pour construire des classes supplémentaires et des classes temporaires pour accueillir les élèves déplacés internes. Parce que les mouvements, les actions terroristes ont pour objectif aussi de chasser les populations pour pouvoir piller leur bétail, leur richesse et s'implanter. Et donc, on a au Burkina Faso un peu plus d'un million, on a 1 million de déplacés internes, ils vont avec des élèves. Nous avons évalué le nombre d'élèves déplacés internes à un peu plus de 60 000. Mais il y a plus de 270 000 enfants en âge de scolarisation qui ont accompagné leurs parents dans ces déplacements, qui ne sont jamais allés à l'école. Ils vont dans des communes où le ministère a transféré des ressources pour l'acquisition des vivres pour les élèves, pour la cantine scolaire, pour l'acquisition du cartable minimum, c'est-à-dire les fournitures pour les enfants. Et quand ils arrivent, ils n'étaient pas prévus. Et c'est très gênant de sauter dans une classe, parce que nous avons donné des instructions aussi pour que tous les élèves déplacés soient réinscrits. Mais si dans une classe, ils sont là, ils n'ont pas été pris en compte par le maire de la commune, donc en partageant les fournitures, ils sont obligés soit de les sauter, mais pour éviter de les frisser, de partager la nuit quand ils ne sont pas là. Et deuxièmement, pour la nourriture, on ne peut pas les sauter, mais en les nourrissant, on réduit le nombre, la période donc, de nourriture des enfants avec la cantine scolaire. Donc, on a besoin de ressources pour pouvoir acquérir des vivres supplémentaires dans les collectivités où les élèves sont déplacés. On a besoin de ressources pour construire des classes supplémentaires pour que les enseignants qui se sont déplacés avec leurs élèves puissent reconstituer leurs écoles là-bas en attendant. Et 80% des personnes qui se déplacent ne repartiront plus chez elles si elles trouvent un accueil chaleureux avec des conditions d'existence. Donc, c'est extrêmement important de faire cela. Et nous, le lundi 19, nous allons rencontrer autour de 150 personnes, plus de 80 maires, 6 gouverneurs de région, une vingtaine de hauts commissaires et puis nos directeurs régionaux, donc pour faire le point et puis aussi les commandants de région de l'armée, de la gendarmerie, de la police, ils vont se réunir dans quelques jours, ils vont venir faire le point et voir dans quel sens on va pour davantage ouvrir des établissements, mais aussi et surtout renforcer donc les communes hôtes en termes d'infrastructures scolaires, de tabac, de salles de classe, de clôture des établissements qui les accueillent parce qu'ils deviennent des cibles, et de ressources pour la cantine, mais aussi pour les fournitures. Et dans certains cas, payer la scolarité des élèves. Ça concerne le post-primaire et le secondaire dans certains établissements. Donc, c'est ce travail que nous faisons. Et je pense que c'est une aubaine aussi pour nous, hein, cette situation, de découvrir que dans les déplacements, on a 270 000 enfants qui sont en âge de scolarisation, qui ne sont pas inscrits.
Et quand nous les avons, nous les identifions comme ça, nous les inscrivons en faisant des classes temporaires, en déplaçant donc des enseignants et le personnel dans ces localités. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau et terminer en disant que nous avons un dialogue fécond avec les partenaires comme Save the Children et les autres qui nous accompagnent dans cette initiative et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'abord d'avoir pris du temps pour venir discuter avec nous alors que, comme vous l'avez dit, vous avez un agenda extrêmement chargé et vous étiez dans une réunion extrêmement importante avec le Premier ministre. Donc vraiment merci d'avoir pris le temps, d'avoir complété ce qui s'est dit. Votre perspective nous permet de compléter la discussion qu'on a eue en donnant aussi justement la perspective de ce qui est fait par les États du Sahel qui sont au final les premiers acteurs dans cette réponse. Tout se fera avec les États, avec les communautés aussi, comme vous l'avez rappelé, où les choses ne se feront pas. La solidarité internationale et l'aide internationale ne peut qu'accompagner ce qu'en font les États. Je voudrais donc remercier l'ensemble des organisations qui nous ont aidés à co-organiser cet événement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des panélistes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour leurs interventions, pour le temps qu'ils ont pris. Nous partagerons avec vous les principales recommandations et les conclusions dans quelques jours, conclusions qui seront aussi portées au niveau de la conférence ministérielle qui se tiendra le 20 octobre prochain. Mais avant de terminer, je voudrais juste retenir peut-être 3 ou 4 points, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, qui ont émané de cette discussion et qui seront certainement des points importants pour le futur. Le premier, je pense que c'est vous qui l'avez rappelé de nouveau et qui a été dit par de nombreuses personnes, cette réponse nécessite une réponse holistique. Elle nécessite de prendre en charge les différents niveaux d'intervention, du national au local à l'international, et elle nécessite une réponse holistique qui va permettre mettre ensemble les enjeux, de répondre ensemble aux enjeux sécuritaires, humanitaires et les enjeux de développement. Elle nécessite aussi une centralité de la protection pour répondre aux besoins des enfants, pour répondre au stress qu'ils vivent et aussi pour garantir leurs droits. Je pense que la centralité de la protection est un élément essentiel qu'il ne faut pas perdre de vue. Tout ce travail nécessite aussi de ne pas oublier ceux qui sont parfois les plus vulnérables, que l'on a parfois tendance à oublier. Vous avez évoqué les personnes déplacées auxquelles nous devons prêter attention. On ne peut pas avoir des exclus si on a une réponse. La réponse doit être globale. Mais on ne peut pas aussi oublier les risques particuliers qui pèsent notamment sur les filles en termes de mariage précoce ou de violences sexuelles basées sur le genre. Cela nécessite bien évidemment, et ce sera mon dernier point, un investissement dans le secteur éducatif, un investissement pour accompagner les stratégies nationales que vous mettez en œuvre, un investissement de court terme, comme l'a dit M. Conner, le directeur général adjoint de ECHO, qui a insisté sur la nécessité que les partenaires aient de l'argent qui soit IMAR, qui soit dédié, pour accompagner justement les besoins de court terme sur l'éducation en urgence, et que donc tous les partenaires humanitaires nous accompagnent dans ce travail, vous accompagnent les États dans ce travail, mais aussi des accompagnements de long terme, comme l'a dit la directrice de Education Cannot Wait, qui a identifié les besoins pour le Sahel une fois les investissements qu'elle fait à plus de 94 millions de dollars comme un investissement nécessaire pour construire, reconstruire et consolider le secteur éducatif. Les enjeux sont donc importants, mais le risque est certainement aussi grand. Vous l'avez dit en introduction, Monsieur le Ministre, un des enjeux pour certains acteurs aujourd'hui, c'est de détruire le système éducatif. Cela va très vite. Je reprends vos mots. Nous avons 5 ou 10 ans. Nous avons 5 ou 10 ans pour éviter cela. Et finalement, ce n'est pas seulement répondre aux besoins du système éducatif, mais c'est répondre à un besoin de toute une région pour que les enfants demain ne soient pas recrutés de force, pour que les enfants finalement aient un futur. Et on le sait, pour paraphraser ce que disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour nous aider à mettre en place des sociétés durables et des sociétés stables. Ce sont ces quelques mots que je terminerai. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je remercie l'ensemble des panélistes qui sont venus, mais aussi toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Nous étions près de 200 personnes. Il y a encore près de 130 personnes. Nous partagerons toutes ces informations par email dans les jours à venir en faisant un suivi. Merci beaucoup à tous. Bonne journée dans les différentes régions du monde dans lesquelles vous nous avez accompagnés aujourd'hui. Et à très bientôt pour continuer ce dialogue extrêmement important pour l'avenir de cette région, le Sahel central. Merci beaucoup.